Salut à tous, c'est Modric. Comme vous venez de le voir, je viens de me réveiller. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo puisqu'il y a eu la jauge imposée par le gouvernement. Donc c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de me déplacer. Donc Pau et Dijon, malheureusement, je n'ai pas pu y assister. Aujourd'hui, reprise des déplacements, direction Caen. C'est parti. Je viens tout juste d'arriver à la gare de Caen. On se rejoint à mon hôtel. C'est parti. Attends, j'étais obligé de le filmer. Bienvenue en Normandie. Merci de vous alcooliser les mains. Nous venons donc d'entrer dans la chambre d'hôtel. Alors, c'est un 8 mètres carrés. On se croirait à Paris. C'est très très petit. On a vraiment pris quelque chose de basique. En fait, il y a juste un lit et une télé. Et la vue. Alors, la vue, attention, on va voir. Voilà, vraiment rien de génial. Ça suffira pour passer une vie. Après une victoire. Et d'ailleurs, normalement. Ah. On m'en joue. On m'en joue. Nous venons de sortir de l'hôtel. J'ai pris à manger chez Magic Bogos. Je pense que vous connaissez la référence suite à une chanson d'Orelsan. D'ailleurs, le snack fait succès justement. Alors, la présentation est exceptionnelle. J'espère que le goût sera autant à la hauteur. On va goûter et puis je vous dis ça dans quelques minutes. Après avoir bien mangé d'ailleurs au délice Magic Bogos, nous allons faire la visite du Mont Saint-Michel qui est à 1 heure de Caen. Donc après-midi visite, et après bien, on rejoindra le stade assez rapidement parce qu'on n'a pas le temps, il est déjà 15h. Donc je vais vous montrer le Mont Saint-Michel dans quelques minutes. Le corps suivra le mental, je gravirai la montagne. Frérot, je me lamente pas. Je partirai la montée ou l'arme au bout des bras. Je suis pas comme tous ces gars, enfin c'est ce que je croyais. Ils m'ont dit faut y croire et ça arrivera. Je me vois sur la Riviera, dans un yacht que ma bitch arrimera et que Marie me payera. Dans un hôtel 5 étoiles, habillé en caïra. Entre les lèvres, un kohiba. Je les vois qui rappent, mais je sais pas de quoi ils parlent. Me demande c'est quoi les failles, mais je fonce tête baissée comme un taureau dans une corrida. Je voulais vivre dans les tropiques, mais j'ai que du bédo. Et bien voilà, la visite au Mont Saint-Michel est donc terminée. J'espère que vous avez apprécié le moment. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Il est 18h20. Je vais donc me rendre au stade Bornano de Caen pour l'éventuelle victoire du Nîmes Olympique. Je sais pas si vous le verrez lors du montage, mais là, il y a Mbaré qui fait sa sieste, qui dort. Et quand j'ai dit l'éventuelle victoire du Nîmes Olympique, il s'est réveillé d'un coup. Je trouve ça assez marrant, il est là. Bonne soirée. Merci. Voilà, on vient d'arriver au stade d'Ornano, donc nous avons les places pour le parcage visiteur. Allez, c'est parti, et allez Nîmes. Je viens de rentrer donc, dans le stade d'Ornano. Je vais vous faire visiter le stade. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais les supporters... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien d'ici, mais les canons ont fait une banderole, justement, contre Rani Assaf. L'entrée des deux équipes sur le terrain. C'est parti pour ce match. Et les canets toujours avec la banderole contre Rani Assaf pour le football populaire. Magnifique. Pour Caen. Et bien le deuxième but, je ne file pas ma tête parce que j'ai pas envie, mais deux actions de but, ouais, c'est voilà, 2-0 pour Caen. Un supporter dépité de la défaite qui se regarde. Un match de rugby de l'équipe de France. Ouais. Ça va, tu te régales? Ouais, ouais, ça va, la France, ça va gagner.
Début de la deuxième mi-temps, 3-0. Et on continue, ça fait 4-0. 55e minute de jeu. Une seule envie de rentrer à Nîmes. Voilà, c'est terminé. 4-0, défaite du Nîmes Olympique. Malheureusement, la défaite 4-0, mais on est bien reçu à Caen quand même par des amis supporters de Caen, malheureusement d'ailleurs. Je vais vous présenter un petit peu tout le monde. Bon, lui, il est sur tous les plans, partout, toujours. C'est Quentin, avec sa copine qui, pas nous héberge, mais nous accueille pour un petit apéritif d'après-match, parce que la pilule a du mal à passer, donc merci à eux. Je vais vous présenter aussi ses deux compagnons qui sont, je ne sais pas où. Je vous présente le lapin Bounty, supporter de Nîmes d'ailleurs. Et je vous présente Zélie, qui se tient très calme et qui supporte Nîmes aussi. Voilà. Bon, on va essayer d'oublier la défaite, on va aller boire un coup en ville. Mbarek, qu'est-ce que tu penses de la défaite? J'ai pas les mots. Je suis content. Putain, c'est malheureux. Hein. Ouais. On va rentrer à Nîmes sans les 3 points. J'avais pas compris, j'ai envie de rire. En fait. Mmh. J'avais peut-être bientôt 30 ans. Après donc ce malheureux 4-0. Où il y a eu un non-match de notre équipe. On a pu quand même passer un bon moment avec nos amis de Caen. On a visité la ville, on a fait un petit tour, donc c'était cool. Dans quelques heures, j'ai mon train pour rentrer sur Nîmes. Donc je vais dormir, je vous dis bonne nuit et à demain sur Nîmes. Voilà, dimanche 13 février, 15h, je viens de rentrer chez moi sur Nîmes. Hier donc, le match, malheureusement, n'a pas tenu toutes ses promesses. On n'a fourni aucune intensité dans ce match. On perd le match, logiquement, 4-0, mérité hein, pour les Canets. J'ai pu visiter le Mont-Saint-Michel, alors ça c'était cool par contre. La ville de Caen, avec les amis, on a pu boire 2-3 verres. Enfin voilà, on a passé du bon temps dans cette ville. Malheureusement, la victoire n'est pas comme je vous l'ai dit. J'espère que dans 15 jours à Amiens, les joueurs vont se réveiller parce qu'hier, on n'a rien vu sur le terrain. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt et allez Nîmes. On le connaît même pas le gosse. Il s'appelle Axel apparemment. Axel, dis allez Nîmes. Dis allez Nîmes. Dis allez Nîmes. Axel. Non. Allez Nîmes, Axel. Allez Nîmes ou pas? Voilà, vamos. Oh là 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 là. Hey, le corps subra le mental, je gravirai la montagne, frérot je me lamente pas, je partirai la manger ou l'arme au bout des bras. Je suis pas comme tous ces gars, enfin c'est ce que je croyais, ils m'ont dit faut y croire et ça arrivera.